Salut les gens, c'est l'Eleven6, on se retrouve pour l'épisode 6, je ne sais plus, sur Mogeko Castle. Et... ok, j'ai un marteau. Je sais pas s'il faut l'ouvrir, vous croyez? Je sens la mort arriver, hein. Je vous le dis direct, je sens la mort arriver. Ah non. Je veux rentrer à la maison. Qui es-tu? Hein? Elles nous sont venues parce qu'on a entendu quelqu'un appeler à l'aide. Ah, je vois. Mon nom est Mogekov Achaski. Mogeko m'a capturé. Je ne pleurais pas, ok? Pas du tout. Ça a l'air plutôt clair pour moi. À aucun moment, je suis sûre que mon gars est en train de me regarder. Je devrais retourner à ma mère russe. Russe? Oui, très loin. Non mais fuck you bitch. Hein. C'était quoi ce gars là? Je sais pas. Don't know. Ah oui, don't know, c'est don't know. Bon, pas de l'option de l'ascenseur. Trouve un autre chemin. À cause de l'autre con là. Ouais, non, je m'attarde pas sur les trucs parce que... oh. Bon, déprimé. Et... ça ne va vraiment pas, moi. Oh, on cherche, connasse. Où est mon téléphone? J'ai dû le perdre. Quelle chance. Ouais, tu parles. Oh, génial, il est tout le temps en train de me regarder. Gnie. Quoi? Ça a l'air joli, mignon. Peut-être que c'est la chambre de Mogeko. Génial. On est dans la merde. Alors une peluche. I love kill. Y a toujours du porn ici? Ah non. Scary book. Un Mogeko crucifié ici, aussi. Monsieur Mogeko défectueux? Ah, je m'inquiétais pourquoi je ne te voyais pas. Donc, c'est pourquoi. C'est le pourquoi. As-tu... donc, tu t'es entré dans la grappe de Mogeko. Eh, ça fait un moment. Ok. Ah, il est en vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne pense pas. J'ai été capturé. C'est une longue histoire. Ah. M'entendez-vous? Le Lord Proscuto est éternel. Il vous regarde tous.
Maintenant, faisons la prière. Nous croyons en notre Lord. Oh. Tu es assous, oui. Hein? Et j'aime... Beats, je sais pas ce que c'est. Après ça, elle a tué tous les Mogeko, mais moi... Mon petit Asu, viens ici. C'était le début d'un cauchemar. Mignon petit Asu. Que voudrais-tu jouer aujourd'hui? Non. S'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. Jour après jour, j'ai souffert de torture. Elle m'a tourmenté avec un sourire. Mogegegegege. Quelle connasse, celle-là, c'est obligé. Et maintenant, tu es venu. Ah ah. Elle est dangereuse. Fuis avant qu'elle te trouve. Elle nous a déjà trouvés. Et nous avant, nous voulions prendre l'élévateur, quoi. Ah, je vois. Dommage. C'était sûrement une mauvaise idée de revenir. Ah. Je me souviens d'un passage secret. Quoi ? En dessous du lit de la chambre de Mogeko, il y a un passage pour le cinquième étage. Je considère que fuir avec ça... Bon, je sais pas. Mais si elle me trouve, elle me casse mes jambes. Asu, tu viens avec nous. Ah ah. Comme... Quel genre... merci. Mais j'en ai pas besoin. Je pense que c'est tout pour moi. Asu. Mon sens est vraiment en train de partir. Mon corps a perdu des sensations. Enfin... Je veux jouer avec toi... Encore. Mais c'est bon. Le paradis des prosciutto est bon. Avant mes yeux. Par dans le paradis là avec Dieu, je sais pas, le château du paradis entre autres. Oui, une place, le paradis des prosciutto, paradis prosciutto. Alors Mogekos. Tous les Mogeko retournent au sang. Ces Mogeko sont montrés au paradis. Lord Prosciutto est vraiment remerciable. Pardonnez tous les Mogeko. Je sais pas c'est quoi Tiam. Oh Lord. Le seul dieu des prosciutto radiant et beau. Sauve-nous ceux qui vivent dans le monde pitoyable. Ah oui.
L'âme des prosciutto est... En est un encore. J'y vais maintenant, petit. Enfant. Assou. Quel con. Je sens que je vais me la taper. Ah merde, c'est l'autre côté. Yes. C'était mon ami, tu sais. Ça doit être difficile de perdre les personnes qui sont importantes pour nous. Et je vois les des escaliers. On devrait les prendre pour le prochain étage. Le cinquième étage. Et juste là, Miss. Oui. Leur cinquième étage. Le mot gecko grotesque, vraiment affamé. Pourquoi certaines choses de certains jours est cassée? Miss, oh merde. Ah, désolé, c'est rien. L'hôpital. Pourquoi un hôpital? Il y a des armes ici stockées. Quel étage c'est? Je vais voir. Je ne me sens pas en sécurité sans armes. Ah quoi, c'est un hôpital. Des armes? Oh. Tu ne le savais pas? En gros. Enfin, t'as l'ai pas dit en fait. Cet étage a le plus gros monstre. Et c'est bien pire que Mogecko. Il doit être enfermé, je pense, dans une boîte, tu sais. Oui, c'est un hôpital, mais il y a plein de jouets d'armes. C'est chelou. Qu'est-ce qu'il y a? Mon estomac me fait mal. Mais c'est trop grand. Je sais pas ce qu'on fout là.
Je m'en fous des gens. Pas trop ce que ça a fait. Avait des trucs ici. Lui saute, il me fait peur. Beat. Lui dit bite normal. Jamais vu ça de ma vie, moi. Il y a rien. Bon, ben, on va aller au troisième étage. C'est déjà un peu. Ils ont pas de yeux, les gens? J'avais plus de musique. Un peu chelou. Meuf qui pète un câble. Ok, ta mère. À travers encore. Ça me fait trop peur. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est juste mon imagination. Les hôpitaux sont font peur. Il donne un sentiment comme que les zombies pouvaient pop n'importe quand. Tu regardes trop de films. Oui. Oui, qu'il y a des armes ici. Au calme. Il y a vraiment des zombies, les. J'aime pas du tout. C'est quoi? Je vais aller au. Je vais aller au quatrième étage, moi. Oui, ça nous regarde toujours. Alors. Au calme, à lance-roquette. Nickel. T'es deg, hein. Je viens de le prendre son prosciutto. Je vais voir le troisième étage parce que je sais pas trop ce que j'ai fait au troisième étage en fait. Et tu me bloques le chemin. Ouais, au calme. Vous voyez qu'il y en a partout.
Mais vas-y, mais bloque-moi, je vais rien te dire. Bon. Plus qu'à aller au deuxième étage. Vas-y, m'énerve à me bloquer. Merci. Le truc le plus galère, c'est éviter les zombies, voilà. Que voulez-vous que je fasse d'autre? Bon, de toute façon, on va arrêter cet épisode-là, de toute façon. On verra la prochaine fois ce qu'on a à faire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!